Hey, salut les cavaliers! Alors moi c'est Aurélie et vous êtes sur le blog Adada Mondadou. Salut les cavaliers! Alors comme vous le savez certainement, tout l'été j'encadre des randonnées avec des adolescents. Donc voilà pourquoi il y a un petit peu moins d'activité sur le blog Adada Mondadou et la newsletter est un petit peu moins régulière. Néanmoins, je vous invite quand même à vous abonner sur le blog car je vais bientôt reprendre tout ça de plus belle. En attendant, je vous propose de partager avec nous un petit moment magique qui est la traversée de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc là, le groupe que vous voyez, donc c'est un groupe d'adolescents qui a fait une randonnée sur la semaine. Et donc, on terminait cette randonnée par la traversée du Mont-Saint-Michel. Donc là, on avait fait le matin l'aller, donc de Genet jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et donc là, sur la vidéo, vous allez pouvoir apprécier tout le retour. Alors, si vous n'avez jamais traversé la baie, vous allez voir que c'est vraiment des paysages absolument magnifiques. Et donc, vous allez pouvoir traverser des rivières, peut-être même voir des milets passer. Et puis aussi profiter du beau soleil et du beau ciel bleu qu'on avait ce jour-là pour traverser. Donc la date en haut de la vidéo n'est pas la bonne, j'avais pas réglé ma caméra embarquée. Donc c'était en fait la semaine dernière, donc tout début juillet 2018. Voilà, donc je montais Emeraude que vous connaissez pour cette randonnée. Mais par contre j'ai échangé en cours de route et j'ai pris El Morito parce qu'Emeraude était un petit peu énervée, ce qui est complètement normal pour une jument de 4 ans qui fait sa première traversée de baie. Cela dit, moi je m'étais fait mal au cervical avant grâce à 4 jours en camping au championnat de France de la mode Beuron. Donc du coup, voilà, Emeraude secouait pas mal la tête, du coup ça me faisait mal au cervical à chaque fois. Et c'est pour ça que vous verrez qu'en milieu de traversée, j'ai échangé Emeraude contre El Morito avec Martin, mon mari. Donc je vous laisse apprécier ces petits galops dans la baie. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Et pourquoi pas vous inscrire vous aussi pour faire la traversée de la baie en vrai. Voilà, et je voudrais dire un grand merci aux cavaliers qui participaient à cette randonnée. Donc il y avait Louise, Lily, Léa, Antoine, Laure, Lilou, Garance et Charlotte. Voilà, qui nous ont fait partager leur sourire et leur bonne humeur tout du long de cette rando. Donc je vous dis un gros merci et à bientôt. Voilà, quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances d'été et puis je vous dis à bientôt sur le blog Adada Mondadou.